Je ne pouvais pas trahir ma couverture. Je dois me comporter comme un humain. Nous n'avons pas le temps. Nous devons récupérer la poussière de vide. Au moins, ils ont capturé Gaël. Il n'est d'aucun intérêt. Et tu ne m'es plus d'aucune utilité. Laissez-moi encore quelques heures. Je n'ai plus de temps à perdre. Y a du mouvement là-bas! Attends, mais ça ressemble pas à des caisses de keufs, ça! Les agents. Ils arrivent. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Tirez-vous. Bonjour, Sœurette. C'est toi qui as amené tout ce bordel, là? Tu devrais y être habituée, au bordel, non? Je m'amuse plus, là. Je t'explose le crâne si j'ai pas ma récompense! Allez-y. Son arme est déchargée, hein. Aucun risque, les loulous. Vous pouvez y aller, je vous couvre. Raté. Merde! Arrête-toi! Qu'est-ce que tu me veux? C'est toi qui m'as fait venir ici. Oui, mais c'était pas prévu comme ça! Qu'est-ce que j'y gagne, là? Absolument rien, j'en ai peur. Alors laisse-moi partir. Vous n'avez aucune charge contre moi. Moi, j'en ai une. Ça, c'est pour toutes les fois où tu l'as touché avec tes mains dégueulasses. Je croyais qu'il était divorcé. Tu n'es qu'une putain. Je savais pas que c'était toi sa femme. Et pour Frédéric, tu savais pas non plus? On était jeunes, c'était marrant. Marrant? Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle à se faire passer pour moi. Moi, je vois très bien ce qu'il y a de drôle. Cette fois, le chargeur est plein, l'arme enclenchée doit sur la gâchette. Le moindre tremblement, la balle part, c'en est fini de toi. Qu'est-ce que tu veux? Me faire passer pour toi? Tes fringues, s'il te plaît. Nous n'attendons pas Carole. Elle n'est pas notre priorité. Attendez! Putain, mais c'était quoi ce bordel? Désolé que ça se passe comme ça. Désolé? Désolé de quoi? Non mais qu'est-ce que... Ah ben, j'ai rien compris. On s'est téléporté. C'est pas plus compliqué que ça. Téléporté? Tu te fous de moi, hein, c'est ça? Bah, il y avait quelque chose dans la bouteille tout à l'heure. C'est ça, hein, c'est les gars qui m'ont mis un truc. Bah, je me suis endormi, j'ai rêvé et je suis venu jusqu'ici. Et là, tout redevient clair. C'est ça, hein? Non, mais dis-moi que c'est ça. Ophélie est morte. Je suis pas humaine. Oh. Ouais, alors celle-là, on l'a déjà faite. J'ai copié son corps. Mais bon sang, mais... Mais c'est quoi, ce bordel? Au revoir, Lucas. Non, attends. Bon, qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Gaël va nous conduire jusqu'à la sacoche. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Tout simplement parce que tu sais que nous sommes ta seule chance de la protéger. Je vois pas comment. Je suis désolé pour les méthodes utilisées la dernière fois pour te capturer. Nous voulions simplement en discuter avec toi. Vous trouvez pas que c'est une étrange manière de commencer une conversation, non? De toute façon, tu aurais fui.
Et puis, oublie un peu les prophéties. Allie-toi à nous. Tu peux plus continuer seul. Je le fais bien depuis 60 ans. 70 ans exactement. 70 ans de solitude. 70 ans de traque. Tu as droit à un petit peu de répit, non? Je dois protéger la sacoche pour l'éternité. Alors allons la retrouver. Bon, mais y a quoi exactement dans cette sacoche? De quoi réduire l'univers à néant. C'est votre fils qui l'a. Jérémy Kowalski. Ok, je trace son téléphone. En plus, ça devrait être rapide. Il a la 3G allumée. Hop! Ça, c'est torché. Ça, c'est fait. Ok, bon, bah écoutez, je vous envoie ses coordonnées sur votre GPS. Par contre, maniez-vous, là, parce qu'il est pas tout seul, on dirait. Putain, t'avais pas dit qu'il nous poursuivrait pas? T'avais pas remarqué que j'avais un peu la poisse ces derniers temps? Ok, mais... ok, cours, Jérémy, je suis là, tiens! Cours, à bloquer sa cache! Le garde contre ma sacoche sur moi, alors venez le chercher! Encore 5 km. Zoé et Jérémy se séparent. J'ai du mal à le suivre, là son signal se brouille à travers les arbres. Combien d'agents peuvent se rendre sur place? Mais y'a que vous dans le coin. La seconde unité arrivera 15 minutes après vous. T'es qui? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je m'appelle Emma. Tu vas me rencontrer dans quelques heures. Nous allons tomber amoureux. Tu vas rejoindre l'organisation dirigée par ton père. Et tu vas mourir. Je ne veux pas que tu meurs. S'il te plaît, abandonne tout. Évite-moi quand tu me verras. Ne me parle pas. C'est bien ainsi. Quoi? Allô? Allô? Kowalski! Les lance-flammes feront tout brûler. La sacoche avec. Et les ultrasons ne suffiront pas contre nous tous. Bon, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? De vide. Tu m'as doublé. Rends-moi ce qui m'appartient. Thank you.
Ah putain! Et les éclairs et machin là pour rien, s'il y a rien dans la sacoche, y'a rien! Oh, c'est pas normal. Elle était pas censée être vide. Nous devons retrouver la poussière de vide. Avant qu'il ne soit trop tard.